décrit comme étant une personne humble. And I was saying, if Pastor Flinger can talk about somebody being humble, he's humble. He's a very humble man. You me disais, I don't know how you can see humility in me because he's such a humble man. I don't know. Let's give Jesus a hand of praise for this humble man. Je me disais si Pasteur Flinger doit parler d'une personne humble, ce doit être lui-même. C'est une personne très humble. I bring you greetings from my beautiful wife. Recevez les salutations de ma belle épouse. And my wife is really beautiful. Et ma femme est vraiment très belle. We have been married since 1992 and we are serving the Lord together. Nous sommes mariés depuis l'année 1992 et nous servons le Seigneur ensemble. We love Jesus together and we serve him together. Nous aimons le Seigneur ensemble et nous le servons ensemble. I want to thank the administration of WAST. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie de l'administration de la FATAD. That gave us the opportunity to give back to this school that has made us to be who we are today. Et qui nous donne l'opportunité de retourner à l'église, à la faculté, ce qu'elle a fait de nous. We don't know. I don't know where I could have been without this school. Et je ne sais pas ce que je serais devenu s'il n'y avait pas cette faculté. Thank you, President. Merci, Tony. Président. Tony. And your administration. Et votre administration. I'll be willing to come as many times as you want me to come. Ce serait une joie pour moi de venir tant de fois que vous m'inviterez. Let us pray. Prions. Father, we love you. Seigneur, nous t'aimons. Because you first loved us. Parce que tu nous as aimés le premier. And lay down your life for our sins. Et donner ta vie pour nous. You have redeemed us from the power of darkness. Tu nous as racheté des ténèbres. And you have given us eternal life. Et nous a donné la vie éternelle. We are one, brothers and sisters in you. Nous sommes des frères et sœurs un en toi. Family from different backgrounds. Des familles de différents horizons. Marching towards our eternal home. Marchant vers notre demeure céleste. As we carry other people along. Et pendant que nous portons d'autres personnes avec nous. This morning we gather before your holy throne. Ce matin nous sommes rassemblés devant ton trône saint. To listen to you. Pour t'écouter. To listen to you. Pour t'écouter. So Lord, I pray that you will make me an instrument. Seigneur, alors je prie que tu fasses de moi un instrument. To share your word to your people. Pour partager ta parole à ton peuple. So that your will be done. Afin que ta volonté soit faite. In this assembly. Dans cette assemblée. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Please turn with me to Exodus 36. Allons dans le livre d'Exode, chapitre 36. Exodus 36. Chapitre 36 de Exode. The message will actually cover part of 35 and 36, but we want to read just a few verses because of time. Le message que nous allons prêcher couvre le chapitre 35 et 36, mais nous allons juste nous concentrer sur les passages que je vais donner. I read from verse 2 to verse 7. Lisons du verset 2 au verset 7. Then Moses summoned Bezalel and Oholiab and every skilled person to whom the Lord had given ability and who was willing to come and do the work. They received from Moses all the offering the Israelites had brought to carry out the work of constructing the sanctuary. And the people continued to bring freewill offerings morning after morning. So all the skilled workers who were doing all the work on the sanctuary left what they were doing and said to Moses, "The people are bringing more than enough for doing the work of the Lord, for the Lord had commanded us to be done." Then Moses gave an order, and they sent the word throughout the camp, "No man or woman is to make anything else as offering for the sanctuary." And so the people were restrained from bringing more because what they already had was more than enough to do the work. Exode 36, du verset 2 au verset 7. Moïse appela Bezaleël, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence. Tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire.
Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire, en empêchant ainsi le peuple d'en apporter. Verset 7, les objets préparés suffisaient, et au-delà, pour tous les ouvrages à faire. Amen. Amen. Many years ago, in my village, in my home village, il y a de cela plusieurs années, dans mon village natal, the people wanted to build the house of God. Et les gens avaient le désir de construire la maison de Dieu. There was a little house that had been there for a long time. That's where they were worshiping, but it was made of local materials. Il y avait précédemment une maison qui était faite à base de matériaux locaux et où ils adoraient. But as the church grew, et pendant que l'église croissait, they decided to build a permanent building. Ils ont décidé de construire une maison qui soit permanente. But there was a problem. Mais il y avait un problème. They did not have much to give. Ils n'avaient pas assez à donner. They live by subsistence farming. They just make farm and eat. C'est des cultivateurs qui faisaient leur activité et subsistaient à base de ça. So they had a vision to build a house, but they were thinking, where will we get the money from to build the church? Ainsi, ils avaient la vision de construire la maison de Dieu, mais ils se demandaient où allons-nous trouver les moyens pour le faire. Then they realized that if everybody in the town is able to make little contribution, they might be able to build a house. Ils se sont rendus compte que si chacun dans le village apportait du sien, ils y arriveraient. So people will make their farm and sell their farm produce and bring some of the money, and then they will go and buy building materials. Donc les gens faisaient leurs champs et faisaient leurs récoltes, en utilisaient une partie pour vendre et pour en apporter le produit pour la construction de la maison. But then when money was gathered, et pendant que l'argent était rassemblé, there was another problem. Il y avait un autre problème qui se présentait. The town or the village was located far away from Car Road. Et le village ou la ville était situé très loin de la route principale, la route goudronnée. In fact, it took 5 hours of walking by land to get to the main Car Road where the materials can be bought. Il fallait 5 heures de temps à pied pour rejoindre la route principale. So the people would gather the money, they would go and purchase the material. Donc les gens rassemblaient l'argent, ils sont partis pour acheter le matériel. And everybody in the town that had a willing heart to see the house of God built, et tout le monde dans le village qui avait le désir d'avoir la maison de Dieu bâtie, they would travel that long distance, ils vont parcourir cette longue distance, and put the building materials on their head, mettant le matériel acheté sur leur tête, and walk 5 hours more with load on their heads to bring the material to the village, et faire le chemin retour vers le village. They gave their little sacrificial offerings. Ils ont donné leur offrande sacrificielle. And now they had to also give themselves for the real work to be done. Maintenant, ils ont dû se donner eux-mêmes pour l'œuvre de Dieu. That was not easy. Ceci n'était pas facile. But today there stands a concrete building in the center of our town. Mais aujourd'hui, Dieu merci, il y a une grande église qui se trouve au centre de notre ville. And they are very proud of it. Et ils sont très fiers de cela. Because it is the result of their own giving. Parce qu'ils sont résolus et donnés. And it is the result of their own energy. Et c'est le résultat de leur énergie. The passage that was read to you, le passage que nous venons de vous lire, Moses received instructions for the construction of the tabernacle. Moïse a reçu les instructions pour la construction du tabernacle. And he went to the people and said, people, God says we should give for the construction of the tabernacle. Et il est allé vers le peuple. Il a dit au peuple, Dieu a dit que nous devons donner pour la construction du tabernacle. Et tous ceux qui avaient donc le désir de donner devraient donner pour l'œuvre de Dieu. And the Bible says the people began to give. Et la Bible dit que les gens ont commencé à donner. And they began to give. Et commencé à donner. Until the money was, or the material was more than the project. Jusqu'au point où ce dont on avait besoin, ils en avaient plus que cela. When I read this passage, et quand je lis ce passage, I saw a few things that I want us to look at and apply to ourselves as we do the work of God, as we build a sanctuary for God. Je vois quelques aspects que je voudrais que nous partagions pendant que nous faisons l'œuvre de Dieu. The first thing I saw was the people gave willingly.
Et la première chose que je vois, c'est que les gens ont donné volontairement. The Israelites gave willingly. Nobody forced them to give. Les Israélites ont donné volontairement. Personne ne les a forcés à le faire. In chapter 35, verse 5, dans le chapitre 35, verset 5, it says, everyone who is willing should bring to the Lord an offering of gold, silver, and bronze. And then the next verse gives the rest of the list. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. La suite du passage nous en dit long. In verse 21, dans le verset 21, it says, and everyone who was willing and whose heart moved them came and brought an offering to the Lord for the work on the tent of meeting, for all its service and for the sacred garments. Verset 21, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Verse 22 also begins with all who were willing. Le verset 22 commence aussi par tous les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé. People who had their heart disposed to give. Tous ceux dont le cœur était bien disposé à donner. God never forces us to give to his work. Dieu ne force personne à donner pour son œuvre. He wants us to give from a willing heart. Il veut que nous donnions d'un cœur bien disposé. When you read this passage, you can sense that there were people who were not willing to give to this project. Et quand vous lisez ce passage, vous pouvez comprendre qu'il y avait des gens qui n'avaient pas le désir de donner pour l'œuvre de Dieu. Because we are hearing that all who were willing brought the offering. On dit tous ceux qui étaient animés d'un bon cœur apportaient des offrandes. That implies that there were some who were not willing and therefore they didn't bring any offering. Ceci sous-entend qu'il y en avait d'autres qui n'avaient pas cette disposition pour apporter des offrandes. God wants people to be willing to give. Dieu veut que les gens apportent volontairement. The Lord did not want to force them to give. Dieu n'avait pas intention de forcer qui que ce soit. And God does not want to force us to give either. Et Dieu non plus ne nous force outre mesure à apporter des offrandes. In my village, not everyone was willing to give to the project. Dans mon village, ce n'était pas tout le monde qui était obligé d'apporter ses offrandes. In fact, there were some people who never gave a penny for the construction of that church. En fait, il y avait des gens qui n'ont pas donné un seul centime pour ce travail. Some of them were not even willing to participate in the work, the bringing of the material to the village. Certains n'avaient même pas la volonté d'aider à apporter le matériel au village. But the church is still built. Malgré tout ça, l'église the a été bâtie. The church still stands there. L'église se tient là aujourd'hui. They are unwilling to give to the work. They not stop the work from being completed because there were people who were willing to do it. Leur manque de volonté à apporter pour la construction de l'église n'a pas empêché que l'œuvre soit réalisée parce qu'il y avait un autre groupe qui était décidé à donner pour cette œuvre-là. As long as they are willing hearts. Aussi longtemps que leur cœur était désireux d'apporter. Whatever we want to do for God, we can do for God. Toutes choses que nous voulons faire pour Dieu, nous y arriverons. In French, you people say, vouloir c'est pouvoir. Et en français, nous disons vouloir c'est pouvoir. Once you have the willing heart, you can do it. Une fois que vous avez un cœur qui a le désir, vous pouvez y faire, y arriver. So the people gave because they were willing. Les gens ont donné alors parce qu'ils avaient la volonté de le faire. And God wants us to give to his work out of a willing heart. Et Dieu nous veut donc de donner pour son œuvre ce qui vient de notre cœur. He does not want us to give out of compulsion. Et il ne veut pas que nous donnions sous contrainte. Because the Bible says God loves a cheerful giver. Et parce que Dieu dit qu'il aime le cœur heureux ou généreux qui donne. People who are happy that they are giving to the work of God, they are giving to the advancement of the kingdom of God. Ceux qui sont heureux qui donnent à l'œuvre de Dieu, qui donnent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. When you see the work of God going on, you can say to yourself, my hand also was in there. Alors quand vous voyez l'œuvre de Dieu avancer, vous pouvez vous dire, ma main. When the sanctuary shall have been built, you can look at it and look at the beautiful sanctuary and say, I got my money in there too. Et quand le sanctuaire finira d'être construit, vous pouvez dire, moi aussi j'ai ma contribution. You feel dedans. That you own it because you were willing to give to the work of the living God. Vous vous sentez ainsi parce que vous avez eu le désir d'apporter pour la construction de l'œuvre de Dieu. So we should be willing givers. Donc nous devons être des gens disposés de cœur à donner. The second thing I saw in this passage. La deuxième chose que j'ai vu dans ce passage. Is that the people gave consistently. Ce que les gens ont donné d'une manière constante. In chapter 36, verse 3,
Dans le chapitre 36, verset 3, we read that the people continued to bring freewill offering money after money. Nous lisons que les gens continuaient à apporter des offrandes chaque matin. They did not say, I gave yesterday, so today I'm not giving again. Il n'est pas dit, j'ai donné hier, alors aujourd'hui je n'en donne plus. We raised offering again yesterday, so I'm not giving any more offering. Et nous avons levé des offrandes hier, aujourd'hui nous n'allons pas le faire. They gave money after money. Ils donnaient chaque matin. As long as the project was not completed, they are giving, they not cease. Aussi longtemps que le projet n'était pas encore achevé, ils continuèrent à donner. They continued giving until they told them it's okay now. Ils ont continué à donner jusqu'à ce qu'on leur dise ça bon, ça va. Willing givers are also consistent givers. Les gens qui donnent d'une bonne disposition de cœur sont des gens qui donnent d'une manière constante. They don't give today and then they are not willing to give the next day. Ils ne donnent pas aujourd'hui et puis le jour suivant ils ne veulent plus donner. God wants us to give until the work is done, whatever Dieu work it is. Que nous donnions jusqu'à ce que l'œuvre soit accomplie. Whatever vision that is cast before us by the people of God, we must all participate in it until it is done. Quelle que soit la vision que les hommes de Dieu partagent avec nous, nous devons nous y joindre jusqu'à ce que l'œuvre soit réalisée. Especially the construction of this beautiful edifice that is envisioned. Et particulièrement la construction de cette église qui est une vision. We will continue giving. Nous devons continuer à donner. Money after money. Chaque matin. Day after day. Jour après jour. Month after month, mois après mois, until it is dedicated, jusqu'à ce que le temple soit dédicacé, then we will be proud of our giving. Alors nous serons fiers de nos offrandes. The Israelites gave, les Israélites ont donné, consistently, d'une manière constante, non stopping, sans s'arrêter, until the work was done, jusqu'à ce que l'œuvre soit réalisée. That's the kind of giving God wants from us. C'est le cas d'offrande que Dieu veut recevoir de nous. The third aspect I saw in this passage, le troisième aspect que j'ai vu dans ce passage, was that the people gave according to their ability. C'est que les gens ont donné selon leur habileté, selon leurs moyens. God did not require everybody to give gold or silver or bronze. Dieu n'a pas demandé à tout le monde d'apporter de l'or ou de l'argent ou de l'airain. Because God knew that everybody did not have gold. Parce que Dieu savait pertinemment que tout le monde n'en avait pas. God will not ask of you what you do not have. Et Dieu ne va pas demander pourquoi vous n'en avez pas. God will ask of you what you already have. Dieu demande ce que tu as déjà. And as we are sitting in this building this morning, et pendant que nous sommes assis dans cette chapelle ce God matin, knows what you have. Dieu sait ce que vous avez. And God knows what you are capable of giving. Et Dieu sait ce dont vous êtes capable. That is what God wants you to give. C'est ce que Dieu veut que tu He's donnes. Not asking you to give more than what you are capable of Dieu giving. Dieu ne te demande pas de donner ce que tu n'as pas. God wants you to give. Dieu veut que tu donnes. What you are capable of giving. Ce que tu es capable de donner. Some people give gold. Certains ont donné de l'or. Some gave silver. D'autres de l'airain. De l'argent. Yes, some other gave bronze. D'autres ont donné de l'airain. But there were other people who gave goat hair. Mais il y en a qui ont donné de la laine. Goat hair. Yeah, la peau de mouton. As insignificant as that may seem. Aussi insignifiant que cela paraisse. But it was needed for the construction of the tabernacle. On en avait besoin pour la construction du tabernacle. So it was not only gold that was needed. Ce n'était pas seulement de l'or dont on avait besoin. They also needed the goat hair to be able to do other things. On avait besoin aussi de la peau des moutons. So God did not ask the people that got goat hair to give gold. Donc Dieu n'a pas demandé à ceux qui pouvaient donner la peau de mouton de donner de l'or. You don't have to be wealthy to contribute to the work of God. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour contribuer à l'œuvre de Dieu. You can give according to your ability. Vous pouvez donner selon vos moyens. And everybody can give. Et tout le monde peut donner. Everybody can give. Tout le monde peut donner. Jesus told the story of the widow in the temple. Et Jésus a donné l'histoire de la veuve dans le temple. That widow could have sat down and looked at the mite and said, "What is this? I can't give this thing to God." Et cette veuve aurait pu s'asseoir et dire, "Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas donner ceci à Dieu." She could have said, especially after seeing people putting in good money. Et spécialement quand elle voyait les gens venir mettre de l'argent. She could have been intimidated. Elle aurait pu être intimidée. I can't give this one because it's not equal to what other people are giving. Je ne peux pas donner ceci parce que ce n'est pas égal à ce que les autres donnent. But when it comes to doing the work of God, et quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, everything that we give in contribution to the work of God is significant in the eyes of God. Tout ce que nous apportons en contribution est significatif pour l'œuvre de Dieu. God knows that we are all not on the same level. Et Dieu sait que nous avons nous méritons l'honneur à tous les niveaux. And God will honor our giving on our level. Et Dieu aussi pourvoira à notre honneur selon le niveau que nous avons. He asks us to give according to our
ability. Alors il nous demande de donner selon nos moyens. That's what the Macedonian church did. C'est ce que l'église de la Macédonie, Macédoine, poor a fait. As they were. Aussi pauvre qu'elle était. Have just gone through crisis. Et elle est passée par des crises. And they were suffering poverty. Et l'église, les gens dans l'église souffraient. Il y avait la pauvreté. And the apostle Paul would look back onto their giving and say they gave even in their poverty. Et l'apôtre Paul a regardé leur acte et a dit ils ont donné malgré leur pauvreté. And he said they gave generously. Et ils ont donné d'une manière généreuse. And he said they gave according to their ability. Ils ont donné selon leurs moyens. But then he also said they even gave beyond their ability. Et on voit aussi qu'ils ont donné au-delà de leurs moyens. In fact, it's like you see what they have given and you look at the people who gave this and you are wondering, can these people do this? En fait, vous regardez ce qu'ils ont donné et vous regardez à ceux qui en ont donné et vous dites, est-ce que ces gens-là peuvent donner ce que nous avons? You know, there will come a time that people walk in this sanctuary that pastor is envisioning and they will say, was this built by Africans? Et en fait, quand ce sanctuaire sera construit, les gens viendront et se demander, est-ce que ça a été construit par des Africains? Because if everybody gives, it is possible to have a sanctuary that will glorify the name of the Lord right in this city. Parce que si tout le monde donne, on peut construire ce sanctuaire qui va glorifier le nom du Seigneur partout dans le monde. You can give. Vous pouvez donner. You don't have to be wealthy to give. Et vous n'avez pas besoin d'être riche avant de donner. The fourth thing I saw in this passage. Et la quatrième chose que j'ai vue dans ce passage. Was that the people gave sacrificially. Les gens ont donné d'une manière sacrificielle. Imagine women giving their precious gold jewelry. Et imaginez des femmes qui donnaient de leurs bijoux en or. We all know how women value their jewelry, don't we? Et nous tous savons comment les femmes valorisent leurs bijoux. I have one. J'en ai une. And I know how much they value their jewelry. Et je sais combien elles valorisent. And we are not talking about some guaranteed jewelry here. Et nous ne parlons pas seulement des bijoux garantis. We are talking about gold. Pure gold. Nous parlons de l'or pur. So think about a pure gold ring. Donc pensez earring. À des boucles d'oreilles en or. Pure gold necklace. Des chaînes en or. And taking that and bringing it to the offering plate and putting it down because you want the house of God to be built. Et prendre ceci, venir dans la maison de Dieu et donner ça en offrande parce que vous voulez que l'œuvre de Dieu soit faite. That was sacrifice. Ceci était un sacrifice. That was a sacrifice. C'est un sacrifice. Imagine the shepherd. Imaginez le berger. Who is living by the wood for his survival. Qui vit de son travail de peau de mouton. Now he has to give that. Maintenant il doit donner cela. For the house of God. Pour la maison de Dieu. He has to do that. Il doit le faire. It's a sacrifice. C'est un sacrifice. The people gave sacrificially. Les gens ont donné en sacrifice. You know, if we want the work of God to be done, then we have to deprive ourselves of some things. Et si nous voulons que la maison de Dieu soit construite, l'œuvre de Dieu soit faite, nous devons nous priver de certaines choses. There will always be needs in our lives and in our families. Il y aura toujours des besoins dans nos vies, dans nos familles. We cannot settle all the needs before we think about the work of nous God. Nous ne pourrons pas résoudre tous les problèmes avant de penser à l'œuvre de Dieu. We have to lay aside some of our needs. Nous devons laisser de côté certains de nos besoins. And prioritize what God wants us to do. Et prioriser ce que Dieu veut que nous fassions. That sacrifice. C'est un sacrifice. That's what God wants us to do. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. The Israelites did it. Les Israélites l'ont fait. The Macedonians did it. Les Macédoniens l'ont fait. The widow did it. La veuve l'a fait. We can do it. Nous pouvons le faire. Amen. 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 Hallelujah. Amen. God wants us to give. Dieu veut que nous donnions. We also see that the people gave generously. Et nous voyons aussi que les gens ont donné généreusement. Generous giving. Des dons de générosité. The Bible said they continued giving. La Bible dit ils continuèrent à donner. Giving. Donner. Until they had to say stop. Jusqu'à ce qu'on leur dise arrêtez. In fact, the Bible said those that were doing the construction of the tabernacle had to stop the work. Et en fait, on dit, ceux qui étaient chargés de la construction de l'église étaient obligés d'arrêter leur travail pour se tourner vers Moïse. Moses, please, Moïse, s'il vous plaît, tell the people, dis au peuple,
Let us stop giving now. Qu'ils arrêtent d'apporter des offrandes. We have too much now. Nous en avons assez. What we have is far more than what we can use for this. Ce que nous avons, c'est au-delà de ce dont nous avons besoin. I hope Pastor Flinga will be able to say it's all right now. It's all right. Et j'espère que le pasteur Flinga dira oui, c'est bon maintenant. We have maintenant. More than what we need. It's okay. It's okay. Nous avons au-delà de ce que nous avons besoin. Ça va maintenant. And I know the men can do that. Je sais que les hommes peuvent le faire. I know they can do that. Je sais qu'ils peuvent le faire. Because what I saw this morning demonstrating, I know they can do that. Et parce que ce que j'ai vu ce matin, la démonstration qu'ils ont faite, je sais qu'ils peuvent le faire. And I know the women can do that as well. Et je sais que les femmes peuvent aussi le faire. I believe the children can give what they are capable of giving. Les enfants peuvent aussi. The young people can give what they are capable of doing. Les jeunes aussi peuvent donner ce qu'ils ont. Until the project is done. Jusqu'à ce que le projet soit réalisé. Amen. Robin Smith and I were just talking. Le pasteur Smith et moi nous étions en train de parler. I'm not sure Robin Flinga can say let the money stay now. Et je suis pas sûr que le révérend Flinga va dire arrêtez de donner maintenant. I think once the tabernacle is constructed, there are many other things to do for God. Je sais que quand le tabernacle sera fini d'être construit, il y aura d'autres projets. Moses had only one project. I think that's why you say let it stop now. But Pastor Flinga, you got many projects. Moïse n'avait qu'un seul projet. Peut-être c'est pourquoi il a dit au peuple d'arrêter. Mais en ce qui concerne le pasteur Flinga, certainement qu'il a d'autres projets. But brothers and sisters, et frères et sœurs en Christ, what I'm telling you today is that God wants us to be cheerful, willing givers. Ce que je veux vous nous dire ce matin, c'est que Dieu veut que nous soyons des gens qui donnent d'une bonne disposition de cœur, d'une manière sacrificielle et d'un cœur généreux. People who give according to their ability. Les gens qui donnaient de ce qu'ils avaient. But as I close this message, et alors que je me prépare à mettre fin à ce message, I want you to know that there is another building et je that voudrais we are part of. Que nous sachions qu'il y a une autre construction dont nous faisons partie. If we read Ephesians chapter 2, et si nous lisons Éphésiens chapitre 2, verse 19 to 22, du verset 19 au verset 22, c'est consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of his household. Built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him, you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Amen. Ephésiens 2, du verset 19 au verset 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Here the apostle reminds us of our identity as God's children. Ici, l'apôtre nous rappelle notre identité d'enfant de Dieu. He says we are no longer foreigners or strangers. Nous ne sommes plus des étrangers ou des gens du dehors. We are fellow citizens with God's people. Nous sommes des concitoyens des saints. You are not a stranger here. Vous n'êtes pas étranger ici. This is where you really belong. C'est ici que vous avez votre place. Then he goes on to say that we are members of the household of God. Et il poursuit en disant que nous sommes membres that bring a little closer. De la maison de Dieu, ce qui nous rapproche plus. Go we are citizens. Du concept de concitoyens. Now we are members of his household. Et nous sommes maintenant membres de sa maison. But he also said we are built on the foundation of the apostles. Et il dit aussi que nous sommes édifiés ou érigés sur le fondement des apôtres. We pray Jesus himself as the chief cornerstone. Dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. You see, in Jesus Christ, the building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. Il dit, en Jésus-Christ, l'édifice est bien coordonné pour être un temple saint dans and le Seigneur. Say, in Jesus Christ, you, the Ephesians, you too are being built together to become a dwelling place for God. Il dit, en Jésus-Christ, vous, les Éphésiens, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. So not only are we citizens of the kingdom of God. Non seulement nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Not only are we members of God's family. Non seulement nous sommes membres de la famille de Dieu. We are like building materials
to construct the foundation, to construct the house of God. Mais nous sommes aussi comme des matériaux pour la construction de la maison de Dieu. Constructing or the foundation or the teaching of the apostles. Et fondé sur la fondation composée des apôtres. With Jesus Christ as the chief cornerstone. Dont Jésus-Christ est la pierre principale. It is in Jesus. C'est en Jésus that the whole building that we are as a church. Que tout l'édifice dans lequel nous sommes comme église is joined together. Est coordonné. And rises to become a holy temple. Et se tient pour être un temple saint. Finally, the apostle declares that in Christ we too. Et précédemment l'apôtre dit en Christ nous aussi. Like building materials, comme des matériaux de construction, we are joined together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Nous sommes joints ensemble pour être une demeure où Dieu réside. So, like the material offering that the Israelites brought to Moses, comme des matériaux de construction que le peuple d'Israël a apporté à Moïse, like the offering that the lady brought to the altar. The widow brought to the altar. Comme l'offrande que la veuve a apportée à l'autel. Like the offering that the Macedonians gave for the advancement of mission. Comme les offrandes apportées par les Macédoniens pour l'avancement de l'œuvre. We too are materials. Sommes aussi des matériaux. For the construction of the spiritual temple of God. Pour la construction du temple spirituel de Dieu. This means. Ceci voudrait dire. We have to allow the chief builder. Que nous devons donner l'autorisation au constructeur suprême. To cut us. De nous briser, to dress us, de nous redresser, to fit into that holy temple, et de nous rendre bien harmonieux pour le temple. As we give willingly, et pendant que nous donnons d'un cœur bien disposé, we give consistently, en donnant d'une manière constante, we give sacrificially, en donnant d'une manière sacrificielle, we give generously, en donnant généreusement, we give according to our ability, nous donnons selon nos moyens. May we also dedicate our lives to the Lord as citizens of His kingdom. Puissions-nous aussi nous dédier à Dieu comme des citoyens de son royaume. As members of His household. Comme des membres de sa famille, de sa maison. And as material used to build His holy temple. Et comme des matériaux utilisés pour bâtir son saint temple. Que Dieu vous bénisse. May God continue to use you to be a blessing to His kingdom. Et puisse Dieu continuer à vous utiliser pour être des bénédictions pour sa maison. Amen. Amen. Let us pray. Prions. Father, we thank you. Seigneur, nous te remercions. For making us the instrument to share your will to your people. De faire de nous des instruments pour partager ta volonté. Help us, O God. Aide-nous, Seigneur. To dedicate our resources for the advancement of your kingdom. Pour dédier nos ressources pour l'avancement de ton royaume. And in the process. Et dans ce processus. To also dedicate our lives to you. De pouvoir te dédier aussi nos vies. As material within the holy temple of God. Comme des matériaux pour la construction du temple saint. Built on the apostles' foundation. Construit sur le fondement des apôtres. Where Jesus Christ. Dont Jésus-Christ. Is the chief cornerstone. Est la pierre angulaire. May we continue to do so. Puissions-nous continuer à le faire. Until we hear the sound of the trumpet. Jusqu'à ce que nous entendions le son de la trompette. When we will be among God's children. Et où nous serons avec les enfants de Dieu. To rejoice with you for eternity. Pour nous réjouir avec toi dans l'éternité. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.